Hypersensibilité de type 3. Avant de parler des maladies médiées par des complexements, nous verrons d'abord les deux modèles expérimentaux qui nous ont permis de comprendre le mécanisme du troisième type d'hypersensibilité. Le premier modèle, la maladie sérique. L'immunisation d'un animal tel qu'un lapin avec une forte dose d'un antigène protéique étranger conduit à la formation d'anticorps dirigés contre les différents épitopes de cet antigène. Les anticorps se lient et forment des complexements avec l'antigène circulant. Ces complexements sont initialement éliminés par les cellules phagocytaires dans le foie et la rate. Cependant, si ce système de clairance est débordé, les complexes se déposent dans les vaisseaux sanguins et les tissus. Les complexes contenant des IgG et des IgM activent le système du complément par la voie classique, entraînant la production de sous-produits du complément, les anaphylatoxines. Le C3A et le C5A recrutent les leucocytes et stimulent l'inflammation. Lorsque les leucocytes sont activés au niveau des sites de dépôt via des récepteurs Fc, ces cellules produisent des substances, notamment des radicaux oxygénés et des protéases, qui endommagent les tissus adjacents. Parce que les complexes sont souvent déposés dans les petites artères, les glomérules rénaux et la synovie des articulations, les manifestations cliniques et pathologiques les plus courantes sont la vascularite, la néphrite et l'arthrite. Les lésions inflammatoires disparaissent lorsque les complexements et l'antigène restant sont éliminés et les anticorps libres apparaissent en circulation. Les symptômes cliniques sont généralement de courte durée et les lésions guérissent à moins que l'antigène ne soit réinjecté. Deuxièmement, la réaction d'Artus est une forme localisée de vascularite expérimentale médiée par des complexements. Elle est induite par injection intradermique d'un antigène à un animal préalablement immunisé ou un animal ayant reçu une injection intraveineuse d'anticorps spécifiques de cet antigène. L'antigène se diffuse dans les parois des vaisseaux sanguins locaux et les anticorps se lient rapidement à l'antigène injecté et forment des complexes qui se déposent dans les vaisseaux sanguins au site d'injection. Les complexements activent le complément et se lient également aux mastocytes et aux macrophages, déclenchant la libération de médiateurs vasoactifs et de cytokines inflammatoires, ce qui augmente la perméabilité des parois des vaisseaux sanguins. Les complexes interagissent également avec les plaquettes et induisent la formation de minuscules caillots. Le résultat est une réaction inflammatoire semi-retardée qui culmine environ 4 à 10 heures après l'injection, caractérisée par une vascularite cutanée locale avec thrombose des vaisseaux atteints, entraînant une nécrose tissulaire irréversible. Les complexes humains sont produits pendant des réponses immunitaires normales, mais ne provoquent la maladie que lorsqu'ils sont produits en quantité excessive et ne sont pas efficacement éliminés. Ces complexes peuvent être composés d'anticorps liés à des antigènes étrangers ou aux antigènes du soie, comme on le voit dans de nombreuses maladies auto-immunes. Le lupus érythémateux systémique et la polyarthrite rhumatoïde en sont deux exemples. Dans le lupus, les complexes humains sont constitués d'antigènes nucléaires tels que l'ADN et d'anticorps. Les principaux dommages se produisent au niveau des articulations, de la peau et des reins. Dans certains cas de périartérite noueuse, qui est un type de vascularite impliquant les artères de taille moyenne, les complexes humains sont constitués d'antigènes virales et d'anticorps. Et la maladie est une complication tardive d'une infection virale, le plus souvent par le virus de l'hépatite B. C'est aussi le mécanisme d'une maladie appelée glomérulonéphrite post-streptocoxique qui se développe dans de rares cas après une infection à streptocoque.
Elle est causée par des complexes d'antigènes streptococciques et d'anticorps se déposant dans les glomérules du rein.